le Kering, et puis après 3h30, et après on se retire et on laisse les coureurs donc évoluer sur cette affaire. Donc on va vous signaler quand Michel qui est sur le Drémy va donc se retirer. Pour l'instant ils ont déjà fait un tour. Il va falloir qu'il accélère. Alors. Voilà, avec pour l'instant donc en position l'équipe père, on a là dans l'ordre Medine Landerneau, Benjamin Edlin et Kevin Siro, et puis après François Pervy. François Pervy, donc Sébastien Vigier et Julien Palma. Alors toujours le Drémy. Voilà. En dernière position, nous avons donc le premier Michel qui se retire maintenant. La course est lancée, Manu. On se regarde. Et on rappelle que à l'issue de cette épreuve, on donnera des points suivant les dossards pair ou impair. Pour l'instant, c'est parti. Et c'est bien parti. Ah, deux tours maintenant. La course est lancée avec ici. Donc Benjamin Edlin qui prend la tête de ce groupe. Allez, la cloche, le prochain passage, José Lamini. Prochain passage, c'est l'arrivée avec le 4 en première position, Benjamin Edlin. Et il est relayé, donc c'est le 2 maintenant, Kevin Siro qui a pris l'avantage. Kevin Siro toujours en première position. François Pervis en deuxième position. Allez, à toi Yvan, c'est l'arrivée. Voilà, et François Pervis qui essaie de faire son effort maintenant pour passer. Et le champion du monde en titre passe ici sur la ligne et va permettre à son équipe de marquer des points. On va attendre la confirmation de nos amis commissaires. Mais François Pervis qui semble satisfait.